C'était un des critères pour le choix des interprètes cette année, que ça serve de tremplin à des interprètes qui étaient prêts à faire carrière. Mais anyway, on ne pourrait pas parler de la chanson francophone sans vraiment parler de cette manière, parce que si on parle de chansons classiques, c'est bien celle-là. Je pense que ça a été peut-être la première vraie collaboration entre la France et le Québec. Depuis, il y en a eu beaucoup et il y en aura de plus en plus. Je me souviens, les premières fois, pour qu'on arrête, pas écouter. Ils ont monté un espèce de medley de Terre Manière. C'est bien monté aussi. C'est ça, ça vaut la peine. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Moi, tu es heureux, dans la vie on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste.
petite-là, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Tôt, le monde est tôt, je cherche le soleil au milieu de ma vie. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui fait du cinéma. Il fait mon cinéma. Ça fait 25 fois que j'entends hein, que c'est ça va bien. Non, à chaque fois, je me surprends à frissonner, me dire. Si on parlait tout le monde, OK. D'abord, Richard Gould et Normand Gould. Alors, eux autres... Ça se fait deux frères, dans la sans chicaner, vous avez l'air en vous entendre d'une façon avec ça. Parler dans mais votre... Mais leur mère est chanteuse, hein? Ah oui, hein? Non, mais votre mère était chanteuse. Votre frère était chanteur. Mais... Richard, avant, on ne pouvait pas faire une comédie musicale sans lui. Maintenant, c'est encore bien pire, on ne peut pas faire sans les deux. C'est ça. C'est ça. C'est un message. Ouais. J'ai pogné le message. Et, Marie-Carmen. J'ai quelque chose en préparation. Marie-Carmen, comment c'est ça que les gens ont de la difficulté à associer Marie-Carmen avec une chanson très populaire qu'on a eue dans le temps, qui s'appelait, que t'as fait? Pauvre star. Tout le monde je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. T'as passé pour une chanson française. C'est ça. Je continue de passer pour une chanteuse française. Je comprends pas. Est-ce que ça devait être un moment important, j'imagine, dans ta vie de faire le Starmania? Oui, le Starmania, ça fait 11 ans que je fais ce métier-là. Le Starmania m'a tout d'un coup propulsé dans le décor. Oui. Hein. Vraiment, là, depuis un an, c'est... Ouais, pour toi, Normand, aussi, ça a été tout un moment. Allez, on connaissait ton frère avant un petit peu. Oui, parce que, pas toi beaucoup. y en a-tu d'autres dans la famille? Oui. Arrête, non! Tu vas faire une comédie musicale entière avec eux autres. Il y a Marie-Denise. Marie-Denise, elle, on la connaissait. Sa mère était chanteuse. Oui, hein? Mon père aussi, en fait. Oui. Alors, mais pour toi, tu étais déjà connue quand tu as commencé à faire ça. Oui, ben, ce qui arrive, c'est que mon album est sorti en même temps. Bang, en double. Mais ça, j'ai commencé, ça fait 4 ans. Oui. Ben, on va voir. Starmania lui a permis de montrer sur scène ce qu'elle savait faire en même temps que son album sortait. Ouais, c'est pas mal chanceux. OK. Bon, j'ai pas, je reviens tout à l'heure, OK?